C'est lui, c'est Shunchi, et moi aussi pour une installation de mode version 1.3.2, et cette fois-ci ce sera le mode Industrial Craft 2, donc IC2. Donc le mode IC2 est un mode très utilisé par les personnes comme moi qui adorent jouer avec beaucoup de modes, plutôt de construction et de ressources, donc qui rajoute du contenu et pas spécialement du hardcore. Donc voilà, donc je vous mettrai sur cette page, voilà. Donc le lien de cette page sera dans la description de la vidéo. Et donc pour télécharger le mode, vous devez d'abord commencer par télécharger Mode Loader. Donc c'est Lex ici. Lex Mamos MC Forge 4.1.1. En tout cas pour le moment. Hop, il vous envoie sur un lien, vous cliquez sur Universal Direct. Hop. Et ça va directement se télécharger. Et ici. Ici donc vous remontez et vous allez dans 1.3.2, voilà. 1.3.2, download from industrialcraft.net. Voilà, mod file. U. Enregistré, donc ça c'est une erreur, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste que le fichier est présenté d'une certaine manière. Hop. Et donc maintenant je vais lancer ça. Lancer ça. Non, ça c'est. Merde. Pas grave. Donc, hop. Hop. Démarrer. Pourcent app data pourcent. Roaming. Point de craft. Et voilà. Donc, j'ai téléchargé les deux liens. Je suis arrivé dans le pourcent adapta. Donc, j'ai tapé démarrer pourcent data pourcent. Et je suis arrivé dans le point Minecraft. Une fois que je suis ici, vous êtes en bin. Minecraft ouvrir avec WinRAR Archiver ou 7-Zip, moi j'utilise WinRAR Archiver. Vous commencez directement par supprimer le metainf, supprimer, oui. Vous. Home. Je répète, vous ouvrez votre Minecraft Forge, voilà. Vous prenez tout son contenu, vous glissez en Minecraft .jar. Ok. Une fois que c'est fait, on a besoin du Minecraft.jar. Et vous n'avez plus besoin non plus de votre Minecraft Forge. Hop. Vous lancez une fois votre Minecraft. Exécutez. Logmein. Enfin, login. Voilà. Il y a une petite fenêtre FML qui apparaît. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est un petit chargement supplémentaire. Mais ça va vous aider énormément pour l'installation des mods. Enfin, c'est même obligatoire. Voilà. Mojang connecté. Ici, j'ai deux modes installés. Parfait. Hop. Je reviens en arrière. Je reviens ici aussi à la racine. Il y a des nouveaux fichiers qui sont créés. Donc il y a config, core mods et mods. Et ici vous allez en mods. Vous cherchez votre IC2 que vous venez de télécharger. Donc ici pour moi. Et vous le glissez directement dedans. De cette manière-là. Hop. Une fois que c'est fait, ben vous pouvez couper ça. Lancer Minecraft. Exécuter. Voilà. Logging. Hop. Je me mets en plein écran. Un petit chargement comme d'habitude, Mojang. Là, il y aura trois modes installés, donc je vais installer un nouveau mode. Je crée un nouveau monde et je vais mettre en créatif pour montrer que j'ai bien les nouvelles ressources du mode IC2. Donc, les installations sont très très rapides. Hein. Vous voyez, hein, ça prend pas du tout de temps. Il faut que juste. Non, l'émeraude, c'est. Voilà. Reactor Chamber, donc ça, c'est toutes les ressources du mode IC2, donc Industrial Craft 2. Comment on quitte ça? Oh, tu vois, comment on quitte? J'ai ma touche. Bon, voilà, hop. Et voilà. Donc, cette installation du mode IC2. C'était pas bien compliqué, c'était plutôt rapide. C'est simple à faire, donc voilà. Donc, je vous dis, c'est lui et à la prochaine. Bye.